Et on se retrouve pour l'épisode, il me semble l'épisode 10, pour la suite de l'aventure. Donc on vient d'avoir notre beau dent de sabre, et du coup on va aller voir cet homme qui a l'air blessé en fait, ou perdu. Ah, il est blessé. Je crois qu'il était un peu bête. Aider le carrier Wenja, on va aller l'aider. Allez, la fumée, ça va être par là. Vas-y, mon petit bébête. Vas-y, je veux te voir en action là. On l'a même pas aidé. Ah, je me disais bien, c'est un fou. Le mec, il a défoncé tout le monde sans mon aide. Ouf. Coup de boule. Mog me faqui nacha. No me sushnu. Mog me sushnu huguan. Mog guan mas. Shash. Blastar. Una chuba. Dushma. Dagua mas. Ah, franchement, ça ouf. Douchma, mag chouada. Sim guan mas. C'est ce que je te dis. Ça ouf. Et c'est à nous de le faire, quoi. Ok, bon, les gars. Aujourd'hui, on brûle les cadavres. Allez hop. Ok. Hop. On reprend un petit cadavre. Et hop, dans le barbecue. Hop. Donne-moi. Allez, venez les gars. L'argile, hop. Bon, on va y aller à la masse. Alors, ça veut se battre. Affronche, affronte mon dent de sabre. Putain, il lui a arraché les membres. Et ouais les gars, vous pouvez rien faire contre nous. Ah, vous défoncez avec mon dent de sabre et garoche. Allez, ramène-toi là. Il est où cet enfleur là? Un enfleur qui attend de camper là. Voilà.
comment chasser du dame facilement. Et hop, on a un nouveau mec dans notre équipe. On récupère un peu. Moi, je voulais dépecer un mammouth. Bah tiens, je sens que j'ai la possibilité maintenant de développer son tissant. Il me faut du roseau, de l'ardoise. Et lui, il me faut du lion rare. Bon, il va se le foutre dans le huc, on va dire. Du coup, normalement, j'ai développé ses compétences. Et ça consiste de exécution plongeante. Ouais, ça c'est intéressant. Baptiser la hutte. Bon, faut que je baptise la hutte du bonhomme. Tiens. Et il y a un petit sac là pas loin. Et il y a la quête de la cueilleuse. On va aller la chercher. Vraiment. Là, on va commencer à faire vraiment plus de quêtes. Et éviter de se perdre en chasse. De toute façon, j'ai ce que je voulais. Une belle bête. Et je l'ai eu. Allez hop. Tac, 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 on fonctionne ça, ça, ça. Ouh. Donc là, on cherche les chasseurs. Hop, on coupe quand même du bois. Un truc que j'ai bien besoin. Il faut que je tue des animaux aussi, récupérer leur... Par là. Par là, par là. Quand même impesantin. Je voudrais pas me faire attaquer par un lion à dents de sabre. Survivre au froid. Sur une région froide et inespérable, vos vêtements actuels vous finirez rapidement. Pour ce faire, réchauffez-vous en allumant des feux de camp et trouvez des matériaux permettant de créer des vêtements plus chauds dans le menu confection. Donc dans le menu confection, je peux créer des vêtements plus chauds. D'accord. Ah, il me faut la hutte de caroche. Votre jauge de froid s'évidera en 4 minutes. Vos jauges de froid s'évidera. Ok. Ok. J'ai une jauge de froid. Ça c'est intéressant. Bon, le chasseur il a pas dû. Il a pas dû se perdre depuis. Il y a du sang un peu là. Ça pue. Normalement quand tu vois du sang, ça pue. Il leur fait la misère, tu sais. On va retrouver notre pote. Mais si les lions sont là, c'est qu'il a dû. Il a dû lui arriver quelque chose. Hop, on met un peu le feu. Et il est reparti par là, quand même. On remonte par là. Notre chasseur, on est peut-être pas mort au final. Qu'est-ce qu'il a fait par là? Ah! Bah, je vais te parler. Il y a encore une bête dans la tanière. Je vais allumer le feu, moi. Je laisse mon lion s'occuper de ça. Faudra lui donner un petit nom à ces deux bêtes. Il y a encore d'autres bêtes là? Ouais, il y en a une autre. Oh.
Hop, un petit saguet là. Qu'est-ce qu'il y a fou là? Il va un peu loin là. Il va un peu loin, il va me faire buter là. Qu'est-ce qu'il faut? Putain, mais ils se lâchent pas là-haut. Eh, ils se poursuivent. Je sais pas s'ils font, mais. Mais bute-le. C'est marrant. Il l'a toujours pas buté, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Putain. Tu reviens plus tard ici? Je pense pas que tu veuilles vivre ici, quoi. La grotte aux ossements. Ok, donc c'est bon, normalement on a sauvé son petit chasseur. Là il y a le mammouth, tuer le féroce mammouth pour mettre un terme à son règne de terreur. Ah bah les mammouths, franchement, c'est pas le truc que j'irai attaquer, tu vois. Donc là on va retourner au village et on va aller développer la hutte de Karosh. On va déjà récupérer des roseaux aussi pour la dame. Mais c'est vrai que. C'est vrai que sa hutte à elle, elle devrait vraiment être améliorée. On va dire améliorer celle de Garrosh. Bon, il en a pas du tout. Et qu'il va bien être bien plus utile que lui. Que elle. Pour la cueilleuse, elle est bien, mais. Ça c'est mieux. Il est féroce. Winja Udam Gwanda Chayam. Ok. Il me faut de la peau de loup. Il me faut. Alors, il me faut des roseaux, de l'ardoise. De la peau d'ou. Ouais. Alors, ouais. Si tu veux redescendre comme ça. Alors, mais t'étais pas obligé. Alors, hop. Normalement les roseaux, on va trouver ça facilement sur la côte. Et on... Précision grandement augmentée. Et trouver plus de graisse, plus de peau. Ouais, bon, ça m'intéresse pas ça. Il me faut du roseau. Il y en a là-bas. De toute façon les petites bébêtes là je vais devoir vous buter. Bon. Je fais peur aux chèvres. Yes, roseau rare. D'accord, c'est rare du roseau même. Hop. On a pas de bête, c'est bon. Il y a de l'ardoise juste à côté. Ça c'est du bois. De l'ardoise. Encore de l'ardoise. Ah, les chèvres et moi, c'est. Ça fait deux quoi. On s'aime pas du tout. Elles sont casse-couilles à s'enfuir. Tu sais, quand tu t'enfuis, tu leur envoies une flèche. Hop, elle tourne à droite. Tu leur envoies du coup une flèche à droite. Hop, à part ta gauche, regarde. Je l'ai raté. Ah, je parle un peu trop vite là. Ouh! Ouh, je parle un peu trop vite, là j'ai réussi à avoir les deux quand même. Ça, c'est parfait. Pour récupérer un peu de bêtes, c'est... Oh, elle s'est fait dévorer, elle. Ouf, c'est dégueulasse. Alors, étant donné qu'il me faut de la peau de loup, il faut que je trouve des loups. Où est-ce que je peux trouver des loups? J'en avais trouvé tout à l'heure, mais franchement, c'était un peu loin pour en trouver. Des loups. Il y en a un peu partout en fait, des loups, mais. Des loups où j'en. Bah, je suis passé par plein d'endroits où il y a des loups. Et tu vas me dire que là, c'est impossible d'en trouver un. Ah voilà. Là, il y a des loups.
Alors. C'est par ici. On va partir par là. Petite promenade en forêt pour trouver des loups. Alors j'espère que ça va pas faire comme le blaireau, sinon bah je vais refaire une avance rapide. Par là il doit en avoir. Franchement, s'il y a pas de loup ici. Ah. Non, bah arrête de faire du bruit, Jean-Pierre. Des loups, il doit en avoir quand même. Ils sont devenus craintifs ou quoi les loups? Ouais, à cause de ces connards là. Faites peur aux loups, bande d'enculés. J'ai une petite blessure. On va te sauver, bien après. T'inquiète. Je vais y réussir. On va sauver au moins deux prisonniers. C'est pas difficile. Et je vais tuer l'autre dès que l'autre sera attaqué. Hop là, 4 prisonniers libérés. Hop. 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 Et hop. J'espère que les gars vont vous mettre reconnaissant. Voilà, je vous ai sauvé. Je vous ai sauvé là. C'est pas gratuit, hein. Moi je veux un bisou. Hein. Un bisou. Enfin bref. Normalement on doit avoir des loups ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pour ça je suis d'accord, mais. On va passer par là. On va remonter la grotte par là. Normalement, on va trouver une petite sortie. Ah, je te dis, il y a quelque chose ici, il doit y avoir des bestioles. Bon, on plonge au fond de l'eau. Ça nous fait un peu de nage. Dans cet épisode, mais franchement, faut que j'arrive à m'en sortir là. Là, faut que je trouve des loups. Oh putain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Peau de blaireau, peau de poisson. Ouais, bon, pas grand chose. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah là.
Ah d'accord, on peut étudier des peintures rupestres, d'accord. Ok, donc j'ai fait tout ça pour des peintures rupestres. Moi qui cherche des loups, tu sais, je me suis dit peut-être c'est leur tanière, mais non. Tu t'es fait buter ou pas? Il y a un truc qui l'a tué. Ah putain, il y en a du chemin ici quand même. Feu. T'as une magnifique invention. Viande. Ouais, bah en fait, on tourne en rond là depuis tout à l'heure. Moi, je cherche des loups, tu vois. Le loup, il est là. Et regarde où je suis. Je suis hyper loin de là où je voulais être. Je sais qu'il y a du loup ici. C'est vrai, je me disais bien, il y a du loup ici. On va aller là-bas, on va essayer de voir si on retrouve nos loups. La fois, on était la nuit. Et on a trouvé. V'là les loups, quoi. Voilà. Donc on va partir à la chasse au loup. C'était par là. On va partir à la chasse au loup. On va essayer d'en trouver. Il m'en faut au moins. Alors. Allez, faut que j'en bute 4. Ouais! Bug! Je sais pas si vous avez remarqué le truc, ça fait wouh! Et on redescend. Il y a des loups. C'est cool. Vas-y, on va pourchasser ça. Vas-y, attrape-moi ça. Faut que tu me l'attrapes. Ah, bute-le-moi. Hop. Voilà, j'ai eu ce que je voulais, donc des loups. Oh. Tu l'as buté? Bah il est parti où? Putain, il y avait un loup là, il y a quelques secondes. Un loup qui a disparu. Je ne sais point comment, mais il a disparu. Et on repart fabriquer la hutte de Takard. La hutte de du Ruskov là, de Garrosh. Garrosh Ruskov. C'est ça, un truc dans le jeu que j'ai toujours remarqué, c'est que tu peux pas te battre à main nue. T'as toujours quelque chose dans les mains. Ça, c'est trop chiant. Je voudrais bien, tu sais, tu fous des patates, tu vois. T'assommes tes ennemis, t'es pas obligé de les buter. Voilà, la hutte de Garrosh est faite. On va avoir de bons chasseurs là. Enfin, de bons guerriers surtout. On a déjà une chasseresse, mais on a l'impression d'un fou rire, tu vois. Alors, on peut confectionner pas mal de choses déjà. On va pouvoir chevaucher, les différentes trucs. Gournin à deux mains, vous n'avez pas encore appris cette arme. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Il me faut du truc de loup. Vous n'avez pas encore appris. Ouais, mais je l'ai pas encore appris, donc pour l'instant, on garde un peu tout ça. Vous subissez moins de dégâts. On va essayer de.
Ouais, on va essayer de... Voilà. Vous m'avez compris. Et attendez, j'ai quelques petits trucs à développer, j'ai l'impression. Non. On commence à avoir beaucoup de têtes quand même. Shrarwadar, Winja Shwarga Daha, Ustao Maniaka Takar, Wadar Salwa Daha, Pafi. Ah, tu m'étonnes, elle doit être dégueulasse, l'eau, avec l'animal que j'ai trouvé. Hop là. On va améliorer la hutte de Saïla. Ah, elle fait un peu moins la gueule quand même, Saïd. Elle doit être contente. Je suppose. J'espère pourquoi. J'ai toujours envie de la ken, celle-là, on l'a toujours pas ken. Excusez mon langage. Franchement mon langage. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Au début du jeu, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose entre eux et au final, il n'y a rien. Je trouve ça. Bon. Peut-être à l'avenir, je sais pas. Bon, excusez-moi mon langage, on ne ken pas une personne, on couche avec elle et il faut qu'elle soit consentante. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer de plus? Alors, nous, voilà, on vient d'atteindre la 74 membres de tribu. Et le prochain qui va avoir sa petite baraque améliorée, ce sera le chaman. Mais lui, il a besoin de lions rares et ça, il est assez chiant avec ça. Alors, dans tous les cas... Est-ce qu'il y a pollué l'eau du pelage? Ça, je vais trouver ça. Je vais trouver ça direct. Allez hop, on va partir du village. On va trouver la source, la rivière putride. Poacher, d'accord. On va pouvoir monter la bête et on va tenter ça de suite. Et voilà, on a notre monture. Allez, déplace-toi, on va voir ce que tu as dans le ventre. Voilà, on peut enfin utiliser notre monture. Oh putain, par contre, elle se prend les murs. Comment elle nage, ah c'est marrant. Quoi? Ah bah je peux la réanimer, c'est bon. Putain, j'ai cru que j'allais tuer mon oiseau. D'accord, on peut tuer sa bête en la noyant, d'accord. Alors là, première chevauchée, première fois que je tue ma bête. Ouais, je sais d'où ça vient, moi. Je sais, ça vient de la bête là où on était la dernière fois. Ouais, y a un bug avec les montures, franchement faut qu'ils apprennent à nager, c'est un chat quand même. Ouais, je vois le genre. Ouais, c'est ce que je me disais, il y avait bien de bêtes mortes dans la rivière. Excusez-moi. Et je vois pas qu'est-ce qu'elle foutait là. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'était pas ça. Bon, c'est pas très utile comme monture. On peut pas monter les murs, on peut rien faire.
Franchement, mauvaise voiture. Je demande à être remboursé quand même. Allez hop, on récupère du roseau. Swargati Chambalbal. Trouver la source du mal. Par là. On va trouver cette source du mal avant de finir de conclure cet épisode. Ah oui, franchement, il y a beaucoup de mouches ici. Ouais, il doit y avoir un truc ici. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Désolé, mon pauvre. Mais vous polluez trop, les gars. Ah oui, c'est à ton pourrir à l'intérieur, quoi. Dark. Hop. Et on prend celui-là. Ah, les loups, c'est des dégueulasses, quoi. Putain. En plus, eux, ils tombent pas malades, tu sais. Ils butent les mecs, ils laissent dans l'eau. Mais ils se disent pas... Ah non, ça va polluer. En même temps, les loups n'ont pas de cerveau, on va dire. Et on conclut l'épisode 10 sur cette recherche un peu putride quand même sur des loups. La chevauchée, enfin, de ma première monture, de mon temps de sabre, de ma deux chevaux, on va dire. Et pour le prochain épisode, on va continuer le mode. On va continuer à déverrouiller un peu la map. Tu voyais encore tout ça. Alors là, je teste les limites. Hein. Il reste un peu, pas mal de choses. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des trucs hors la limite. Par exemple, ici, je suppose qu'il y a des montagnes que tu peux pas explorer, tout ça. Et du coup, bah, ça rend un peu la map énorme. Mais franchement, il y a de quoi faire encore. Et pour, je pense, encore une dizaine d'épisodes. Et bah, du coup, je vous dis, on se retrouve à l'épisode 11.